Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo assez spéciale. Voilà, c'est une astuce, on va dire comme ça, beauté. Nous allons parler aujourd'hui, comme vous l'avez vu hein, dans le titre, nous allons parler aujourd'hui des vertus et des bienfaits de la noix de cola. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est que la noix de cola est la graine du colatier qui est originaire de l'Afrique de l'Ouest. La noix de cola est connue depuis des siècles en Afrique et elle a des vertus intéressantes. Voilà, assez intéressantes. Mais elle fait aussi partie intégrante de la vie sociale en Afrique. Voilà, car elle est le plus souvent utilisée comme élément précieux hein, dans les cérémonies, comme le plus souvent la dot, la naissance et plein d'autres cérémonies. La noix de cola est composée en grande partie de la caféine, mais aussi du tanin, de la colatine et de plein d'autres éléments. Donc mes amis, la caféine dans la cola va vous aider à stimuler le système nerveux central, ce qui va vous aider à atténuer la somnolence. Si vous avez le plus souvent sommeil, cet élément-là pourra vous aider à tenir un peu plus, à ne pas somnoler. Voilà. Ça va aussi vous aider si le plus souvent vous êtes sujet de fatigue physique, intellectuelle et aussi de dépression. Voilà, il pourra vous aider, ça c'est naturel. Donc vous allez voir que ça pourra vous faire du bien. La cola peut aussi aider à apaiser tout ce qui est maux de tête, qui est dû à la mauvaise circulation sanguine. Voilà, elle va aussi aider à augmenter tout ce qui est pression artérielle. Mais ce que vous devez aussi savoir, c'est que la cola a une action diurétique parce qu'elle va aider à éliminer tout ce qui est rétention d'eau, qui le plus souvent va venir enfler tout ce qui est jambes, va vous apporter tout ce qui est jambes lourdes. Vous allez voir que vos chevilles sont assez enflées. Voilà, ça va vous aider dans la circulation, ça va vous aider à éliminer toute cette eau-là et vous allez avoir des jambes assez légères. Voilà. Et surtout, ça va aider aussi dans, on va dire comme ça, favoriser aussi la perte de poids. Voilà, donc pour ces personnes-là qui veulent aussi perdre du poids, c'est aussi un tout petit élément qui pourra aider aussi dans la perte du poids. Donc là, mes chéris, faites très attention. Dans le même temps, si vous arrivez à consommer de fortes doses, ça peut vous apporter aussi, ça peut vous provoquer des palpitations cardiaques. Donc il faut faire attention aussi dans la consommation. Ça peut aussi vous apporter des mal de tête, de l'agitation. Voilà. Et ça peut vous porter aussi à de l'insomnie et de l'irritation gastrique, de l'insomnie, voilà. Vu que nous avons la présence de tout ce qui est caféine, donc là, ça peut vous porter déjà à une insomnie assez grave. Donc si vous avez déjà ce problème-là, évitez en tout cas de consommer de fortes doses ou même évitez de consommer ça, voilà. Donc ça peut vous porter aussi à de l'irritation gastrique, de la nervosité, et plein d'autres éléments. Donc ce que moi je peux vous dire, c'est de modérer l'utilisation de la noix de cola. Mais une chose aussi assez intéressante, c'est que vous devez savoir que la noix de cola est aussi un aphrodisiaque. La noix de cola peut être utilisée, consommée, hein, voilà, sous plusieurs formes. Vous avez en infusion, vous pouvez l'utiliser en infusion, vous rajoutez, vous découpez quelques morceaux et vous essayez de rajouter de l'eau tiède et laisser infuser. Et vous allez l'utiliser après la boire et ça va vous faire aussi du bien. Vous pouvez aussi l'utiliser en poudre. Le plus souvent, on va venir sécher. Voilà, cette noix de cola là, on la taille en plusieurs morceaux. On va la sécher au soleil et par la suite, on va essayer de la réduire en poudre en la pilant dans un mixeur, dans un mortier. Ça dépend de ce que vous avez. Et comme ça, vous obtenez une poudre que vous allez venir rajouter ensuite sur toutes vos boissons. Voilà, toute boisson que vous allez boire, vous pouvez en rajouter un tout petit peu dans votre boisson et ça va vous donner ce peps là. Elle peut être aussi utilisée sous forme de liquide. Donc là mes amis, comme je vous le disais auparavant, faites attention aussi à la consommation. Ne n'allez pas consommer de fortes doses parce que ça peut vous porter à d'autres problèmes de santé assez pesant. Voilà, parce que en toute chose, hein, comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, en toute chose, l'excès nuit. Donc faites attention. Et pour pouvoir commencer, pour ces personnes là qui n'ont pas encore commencé à utiliser la noix de cola, si vous voulez commencer par l'utiliser, commencez par de petites doses.
pour ne pas vous retrouver après avec des situations assez compliquées. Vous commencez par des petites doses et vous allez observer votre corps. Si vous sentez que ça ne vous va pas, que ça vous crée des irritations assez fortes et c'est quelque chose qui ne vous aide pas, arrêtez automatiquement l'utilisation de la noix de cola. Voilà. Donc la noix de cola aussi déconseillée, surtout déconseillée si vous souffrez d'ulcères gastriques. Voilà. Si vous souffrez, comme je vous le disais auparavant, si vous souffrez d'insomnie, si vous avez des maladies cardiaques et en tout cas plein d'autres choses. Mais surtout, ce que je tenais aussi à vous dire, c'est de faire attention. Si vous êtes, vous ne devez pas consommer la noix de cola durant la grossesse ou pendant que vous êtes en train d'allaiter votre enfant. Voilà. Parce que le plus souvent, tout ce que la mère mange se retrouve dans le lait maternel. Donc, il faut faire attention pour ne pas faire consommer des éléments assez forts à vos enfants. Donc, si vous êtes en train d'allaiter, il faut éviter tout ce qui est noix de cola. Et surtout, surtout à ne pas faire consommer ça aux enfants. Voilà, comme je le disais auparavant. Et parce que ça peut irriter les enfants, ça peut les agiter. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour les enfants. C'est assez délicat, donc il faut faire beaucoup attention à ce... Ce sont des éléments assez naturels, mais qui peuvent virer autrement s'ils sont mal utilisés, si les dosages ne sont pas bien utilisés. Si vous n'avez pas fait attention à tout ce qui est dosage, vous pouvez vous retrouver dans des cas assez difficiles. Donc, moi, je vous invite à faire attention à l'utilisation de la cola. C'est un élément assez intéressant, voilà, qui contient de la caféine, qui va vous aider, qui est assez naturel. Mais dans le même temps, il faut faire aussi attention à ne pas se créer des situations assez difficiles. Donc là, mes chéris, si vous êtes une personne qui utilisait déjà la cola au quotidien, essayez de nous laisser quelques commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne vos expériences pour ces personnes-là qui veulent se lancer à utiliser la noix de cola. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu pour la toute première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.